On nous parle de crimes de guerre, ok. Mais que penser alors de Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine, qui parlait des enfants qui étaient morts à cause d'un embargo américain sur l'Irak? Que penser de ce qu'elle pouvait dire alors de ses enfants? L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète, l'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. Cela fait plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Cela en vaut-il le prix? C'est un choix très difficile. Mais nous pensons que c'est un prix à payer. Alors bonjour, nous allons voir aujourd'hui les conflits déclenchés par l'OTAN et les États-Unis ces dernières années. Ces conflits, à l'évidence, ont motivé Vladimir Poutine pour intervenir en Ukraine. Car il n'avait plus aucune confiance dans une parole occidentale, et surtout en l'OTAN qui n'a fait que grignoter l'espace de l'ex-Union soviétique. De ces guerres en répétition, j'en suis un témoin privilégié, si l'on peut dire, car je suis parti avec ma caméra sur la plupart de ces conflits qui ont été dénoncés par le président russe, Vladimir Poutine. Le rideau de fer vient de tomber. Boris Eltsine est au pouvoir. Une coalition se forme pour attaquer l'Irak, qui est, soi-disant, à ce moment-là, la quatrième armée du monde. Quatrième armée qui ne résista d'ailleurs que pendant une centaine d'heures. Les États-Unis et la coalition formée de 34 pays s'arrêtent brusquement. Que se passe-t-il ? Au sud de l'Irak, un soulèvement chiite, probablement provoqué ou télécommandé par l'Iran. Ce soulèvement fait réfléchir les gouvernements en place à Washington. Sous la pression des pays arabes, l'Arabie saoudite en particulier, Washington arrête l'offensive. La destruction totale de l'armée bassiste n'aura pas lieu. Le régime de Saddam Hussein reste en place, mais il est ébranlé, sérieusement ébranlé. Le démantèlement de la Yougoslavie un an plus tard. Des mouvements nationalistes sont encouragés par l'Europe et les États-Unis. Ce sont les guerres de Croatie et de Bosnie qui éclatent. Croates et Serbes vivaient ensemble. C'était il y a longtemps, c'était au printemps dernier. Après 90 jours de siège, après 90 jours de bombardements intensifs, le symbole de la résistance croate tombe. Première victoire significative pour l'armée fédérale. En Somalie, une opération est déclenchée. C'est une opération militaire humanitaire. C'est le nouveau mot en fait. Diffusées dans le monde entier, ces images d'un pilote d'hélicoptère américain traîné dans les rues de Mogadiscio ont tout fait basculer. Réveillant les mauvais souvenirs d'autres apocalypses, elles ont provoqué le retrait précipité des Occidentaux. La Somalie, où les Nations Unies tentaient la première opération militaro-humanitaire de leur histoire, fut un traumatisme, puisque les casques bleus, américains notamment, durent y faire la guerre comme n'importe quelle autre faction. De l'Assemblée nationale, de la cathédrale, il ne reste plus rien. Rien que des lignes de front où les milices guettent l'intrus. Ces quelques gravats, ces carcasses de chars abandonnés en pleine mer, ces ruines sont ce qui reste du quartier général de l'ONU à Mogadiscio. En Bosnie, l'OTAN remplace
les casques bleus. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont des obus qui viennent d'où ? Ah, je peux pas vous dire. Ici, on ne sait pas trop, quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, les frappes aériennes avaient calmé les ardeurs d'une partie des belligérants. Dès la signature des accords de paix, de casque bleu, nous sommes devenus des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain. Nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Ilidza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. 1999. Il faut terminer le travail avec le Kosovo et en finir avec la Serbie. L'OTAN intervient, bombardement de la Serbie, en violation complète des règles internationales, 37 465 sorties de bombardement sont effectuées sur la Serbie. Septembre 2001, les Twin Towers. Octobre 2001, invasion de l'Afghanistan. Le jour se lève à peine sur la province d'Helmand. Les habitants de cette région, surnommée le désert de la mort, voient débarquer des dizaines de chars américains. Toute la nuit, des hélicoptères ont déposé par vagues successives des marines. En tout, ils sont 4000, à leur côté 650 soldats et policiers afghans. Frapper vite, frapper fort, c'est le mot d'ordre pour cette offensive baptisée « Liberté de la rivière ». En 2003, George W. Bush veut à nouveau attaquer l'Irak. Il est temps pour nous de nous attaquer aux véritables menaces. Il est temps pour nous de nous occuper de Saddam Hussein. Il est temps pour nous de renforcer la paix. La Russie de Poutine met en garde les États-Unis. Cela ne se passera plus comme pour la première guerre d'Irak. Ils mettront un veto à l'ONU. Colin Powell vient faire, devant le Conseil de sécurité, une déclaration tonitruante. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Mais la France, pour la première et la dernière fois, s'opposera aux États-Unis. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine, c'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison Blanche est un meurtrier. Nous ne voyons que des traces de bombardements et de strafing d'objectifs qui ne sont pas apparemment militaires.
Puis des carcasses de chars encore fumantes de l'armée irakienne et, dans les faubourgs de la capitale, voici la machine de guerre américaine. Avec ses chars Abrams en position et ses hélicoptères de combat. Les troupes de la garde présidentielle qui devaient combattre se sont évaporées. La ville grouille d'ambulances. En fait, les combats ne sont pas terminés. Des unités de Saddam ont refusé de se rendre. Je n'y vois que désolation. العراق بذمة بلير العراق بذمة بوش العراق بذمة العرب هذا بلير صور هاي الحريه اللي يريدوها هاي الحريه هذا احتلال وارهاب هاي الحريه يريدوها هذا حريه العراق هذا هو باش Il est clair qu'outre une volonté d'influencer les évolutions politiques de la région, l'intervention militaire de 2003 a permis aux États-Unis de reprendre pied dans un pays stratégique du point de vue énergétique et d'en évincer la Chine et la Russie, qui y avaient développé leurs intérêts, leur activité. Mais les choses ne se passent pas comme Washington le pensait. Des actions de guérilla, des résistants sunnites et chiites se multiplient. La minorité sunnite est la grande perdante du nouvel Irak. Leur implantation géographique ne reflète pas leur place dans la nouvelle société irakienne. La division entre chiites et sunnites est plus forte que jamais. Se sentant traités comme des citoyens de seconde zone, stigmatisés, réprimés, les sunnites se sont ralliés au discours de plus en plus sectaire et violent des insurgés sunnites, et dont la branche irakienne d'Al-Qaïda fait partie. Et puis enfin, il y a des actes de terrorisme épouvantables. Il y a cet acte de terrorisme qui va déclencher la guerre civile entre Irakiens. C'est à Samara. Cet acte de terrorisme va déclencher la guerre entre sunnites et chiites. Celle-ci fera des centaines de milliers de morts. Elle se terminera par la prise de Bagdad par les milices chiites. Et nous voilà en Libye. En Libye, oui, en Libye, pour une opération humanitaire spéciale pour sauver les populations de Benghazi. L'OTAN intervient et bombarde à souhait toute la Libye. Tripoli, 7h du matin, après une nuit sous les bombardements. Objectif des frappes, le port et des centres de communication de l'armée libyenne. 9h, un missile tombe à proximité de l'hôpital central. <rire> 22h30, le port de Tripoli. Arrivé sur les lieux de l'attaque, c'est la panique. Les ambulances évacuent les blessés. En une nuit, la coalition a coulé 8 bateaux libyens. C'est un bateau de garde-côte. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Enfin, des camions de pompiers arrivent.
canon a haut manque de puissance et n'atteint pas les flammes. Les hommes se précipitent pour pomper l'eau de mer, mais le compresseur ne marche pas. Un filet d'eau s'échappant de sa lance à eau, l'homme impuissant explose à la caméra. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Le colonel Kadhafi est assassiné dans sa ville natale. Nous revenons vers l'école militaire qui est aux mains du nouveau pouvoir. La caméra est cassée, la voiture est criblée d'éclats. Je n'ai plus d'ordinateur de montage. Je n'ai plus rien, alors je tourne ces quelques vues avec ce qu'il me reste comme caméra. Les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital, du bunker du guide et sur le front de mer. Des rumeurs font état de massacre. Des renforts sont attendus de l'ouest libyen, de Misrata. En 24 heures, le destin de la Libye a basculé. La Libye, ensuite, va s'enfoncer dans une guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Enfin, encore une guerre contre le terrorisme. Encore une. Mais cette fois-ci, contre le terrorisme islamique de Daesh, en Irak. Une coalition internationale va en Irak, puis en Syrie, ainsi que le 9 avril 2013, naît l'État islamique en Irak et au Levant. Cet État islamique, en 2014, prend Fallujah, à moins de 100 km de Bagdad. Le 10 juin, l'État islamique prend Mossoul. Le 9 août, débute une coalition contre l'État islamique avec des Américains. C'est le commencement des bombardements américains. Anti-djihadiste. Mossoul Ouest. Pas un jour ne passe sans que ses habitants ne soient confrontés à la mort. Ce matin, c'est une famille de 11 membres déterrés sous le regard de leurs proches. Ils ont été tués dans une frappe aérienne, voici 3 mois. Les pompiers ne savent pas s'ils étaient des partisans de Daesh ou de simples civils. Voilà 2 mois qu'à la sortie est de Mossoul se croisent civils affolés et forces irakiennes qui remontent vers le front. Nous traversons les ruines de la vieille ville de Mossoul, escortés par la police fédérale. Sous les décombres, il reste des tonnes d'explosifs et des centaines de cadavres. Les cratères gigantesques témoigne de la puissance des bombes larguées sur la ville. La coalition a mené une campagne de bombardement massif pour déloger les combattants de l'organisation État islamique de ce quartier, conçu comme une forteresse. La vieille ville est interdite aux civils. Certains ont pu négocier l'autorisation de récupérer quelques affaires dans les ruines de leur maison. Encore une alliance pour détruire le terrorisme islamique. Mais en aidant également des milices impliquées avec les djihadistes contre l'allié de Vladimir Poutine, le président Assad. En Irak et en Afghanistan pendant ce temps, les attentats confessionnels et anti-occidentaux ne faiblissent pas. La guerre américaine contre le terrorisme ne fonctionne pas. En février 2022, les États-Unis continuent à intervenir en Syrie. Près de 11 ans après le début de la guerre en Syrie, les États-Unis opèrent dans le pays. Selon le Pentagone, des forces spéciales américaines viennent d'intervenir au sol dans le nord de la Syrie.
Écoutez, le communiqué du Pentagone est plutôt laconique, mais il est signé par son porte-parole John Kirby. Les forces des opérations spéciales des États-Unis sous le commandement central américain, CENTCOM, ont effectué une mission antiterroriste cette nuit dans le nord-ouest de la Syrie. La mission a été remplie avec succès, précise le communiqué. Il semble donc qu'il s'agisse d'un raid combiné, composé d'une force aérienne, une action héliportée, plusieurs hélicoptères et des commandos au sol, revendique donc le commandement américain. Dans la... Voilà, et que voyons-nous après, ces interventions, des pays abandonnés, des pays en guerre civile, complètement délaissés. Les États-Unis ne sont pas fidèles, loin de là. Les États-Unis passent, détruisent et s'en vont. Et nous le voyons bien en Afghanistan, abandonné complètement par les États-Unis et ses alliés, dont la France. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions. En termes de victimes, ce sont les Afghans qui ont payé le plus lourd tribut. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé ce petit récit. À bientôt. Au revoir.